m'appelle Jérémy Bonder, j'ai 24 ans. J'ai découvert l'escalade en classe initiation en CP. Suite à ça, 2 ans après, j'ai intégré le club de Cahors Montagne dans le sud de la France. Et depuis, maintenant, ça fait 16 ans que je grimpe. Et plus précisément, ça fait 4 ans que je fais partie du Pôle France de Fontainebleau. J'ai été étudiant en situation classique jusqu'en 3e. Après, j'ai intégré un CFA qui m'a formé dans le métier du bâtiment en charpente couverture. Après de 15 à 20 ans, j'ai travaillé en apprentissage. Et à l'âge de 20 ans, j'ai stoppé un peu le travail pour m'investir à fond dans mon projet sportif. Suite à ça, j'ai réussi à faire ma première finale de Coupe du Monde en 2011. Et en 2012, j'ai intégré le pôle France de Fontainebleau. Ma motivation tous les jours, c'est déjà le plaisir que j'ai à m'entraîner. Je me suis fixé des objectifs, des rêves. Du coup, tous les jours, quand je me rends à l'entraînement, ben, je pense à ça. Et quand je ressens un petit coup de moins bien, un petit coup de dur, un petit coup au moral, ben, tout ça me remotive. Je mets un point d'honneur vraiment à ne pas avoir de regrets, essayer de tout faire bien pour que même si je ne parviens pas, au moins j'aurai tout essayé. Mon rêve, c'est d'être champion du monde et de l'être à Paris devant un public français, devant sa famille, ça sera encore plus beau. Après, je me donne pas plus de pression que ça. Je vais aborder ces championnats du monde avec beaucoup, beaucoup d'envie, avec beaucoup, beaucoup de plaisir et le résultat sera ce qu'il sera parce qu'on ne peut pas être maître de toute la situation. Pour préparer cet objectif majeur, on a mis en place certains outils de préparation physique particuliers qui sont nouveaux, comme on peut le voir dans la zone du Pôle France, dans ce qu'on appelle la Motherboard. Donc ça, c'est vraiment un outil de préparation, on appelle ça de la préparation orientée, et qui a beaucoup aidé et qui aide beaucoup Jérémy pour se préparer physiquement pour Bercy. La Motherboard, c'est un plan où il y a deux phases. Il y a une face rouge et une face bleue qui est symétrique. Le but, c'est tous les mouvements qu'on peut faire à gauche, on peut aussi les faire à droite. Mes entraîneurs nous donnent des projets. Le but de ces projets, c'est d'arriver à les faire. Si on arrive à les faire, on penche un peu plus le pan parce qu'il est inclinable. Du coup, on les rend plus durs. Et ça permet que le bloc, il est continuellement plus dur. Ça nous oblige à mettre plus d'intensité, plus de précision dans le mouvement. Et logiquement, ça va nous faire progresser. Ses plus gros points forts, c'est ce qu'on appelle la tenue de prise, donc la capacité à verrouiller des toutes petites prises, des prises microscopiques. Donc il a énormément de force dans les doigts. Après, sa plus grosse force, maintenant que je le connais bien, c'est sa détermination, sa capacité à s'investir et sa volonté et tout ce qu'il met, quand il décide de faire quelque chose, il le fait à 100% et ça, c'est sa plus grosse force. Je pense que la fédération a mis le Pôle France ici à Fontainebleau. C'est pas par hasard, c'est que c'est un site mondialement connu, que les meilleurs grimpeurs au monde connaissent et même au-delà des meilleurs grimpeurs, beaucoup de pratiquants au monde viennent de pays étrangers qui ils viennent pour découvrir la forêt. Et je pense que dans mon entraînement, c'est très important et s'aérer la tête, mais en termes de gestuelle, on apprend vraiment, vraiment beaucoup mieux par le lien de la forêt et des blocs en extérieur que des situations qu'on peut retrouver en salle. Tu choisis soit de prendre réglette mono, moi c'est ce que je fais, puis là je jette. Soit mono réglette. Soit dans le bac. Tu sautes, ouais, parce que vraiment tu peux sauter, c'est un truc, ça rentre, c'est vraiment une poche. D'accord. Après tu fais une traction sur un bras dessus, tu vas chercher là-haut, faut peut-être aller brosser un coup parce que le plat, ouais. Je pense, ça n'a pas été fait depuis un moment. Ok. Mais c'est une base en. Ouais. En tout cas, ça a l'air cool. Après ma carrière, j'ai dans l'idée de découvrir des secteurs connus un peu partout dans le monde. Et voilà, voyager, je pense que j'ai beaucoup voyagé grâce aux Coupes du Monde, mais aussi voyager vraiment pour découvrir des sites mondialement connus.
si j'ai le temps et les financements possibles, j'aimerais voyager et découvrir les sites les plus connus au monde.